Alors, bonjour tout le monde, ou rebonjour pour ceux qui nous ont déjà suivis au cours de la journée. Donc, je suis Anthony Mémin, je vais être l'animateur de la conférence qui va être donnée tout de suite. Je tiens à remercier donc Nicolas Martin pour avoir accepté de venir parler aujourd'hui d'un sujet très actuel. Et donc, Nicolas Martin est climatologue géographe à l'Université Côte d'Azur. Il est aussi responsable de formation, notamment d'un parcours, d'un master. Et Nicolas, aujourd'hui, va nous parler donc de la révolution industrielle du 19e siècle au climat potentiel de la fin du 21e siècle. Et je vais donc laisser la parole tout de suite à Nicolas. Et moi, je vous retrouve à la fin pour les questions. Merci Anthony. Bonjour à tous. Alors moi, je vais vous parler de, comme ça vient d'être dit, de l'évolution en fait de notre civilisation. Alors ça fait un peu pompeux comme formule, mais de l'évolution de notre société, de nos sociétés depuis, on va dire, un siècle et demi jusqu'à aujourd'hui. En fait, comme je suis climatologue, voilà, vous avez compris, hein, je m'intéresse au changement climatique et au devenir climatique de notre planète. Et pour comprendre le devenir climatique, alors je pourrais seulement vous parler du climat, de l'évolution du climat, évidemment, en vous parlant de sorties de modèle, en faisant des cartes sur l'évolution des températures, etc. Ça, c'est la conséquence, si vous voulez, d'un mode de vie, de plusieurs modes de vie qu'on suit depuis un siècle et demi. Donc je vais d'abord passer pas mal de temps à expliquer pourquoi on en est là aujourd'hui. Parce que je pense que quand il y a un problème, surtout de cette ampleur, ce qui est intéressant, c'est de comprendre les causes. Puisque si on comprend les causes, on est plus à même de faire évoluer, on va dire, les conséquences. C'est comme quand vous êtes malade, hein, si vous traitez juste les symptômes et pas la cause, ben vous allez être malade à nouveau. Même si on peut un peu atténuer les symptômes avec des traitements, mais le mieux, c'est quand même de s'attaquer à la cause. Donc la cause, alors je suis pas du tout dictateur, hein, rassurez-vous, mais la cause, malheureusement, la première cause, c'est le nombre d'êtres humains sur Terre. Puisque vous l'avez remarqué, la taille de la planète, c'est la même depuis 4 ou 5 milliards d'années. L'être humain, il est apparu il y a beaucoup moins longtemps, évidemment. Et là, vous avez un graphique qui vous montre l'évolution du nombre d'êtres humains sur Terre depuis à peu près 12 000 ans. Donc, on commence en moins 10 000 avant notre ère, ici. Et là, on n'était pas nombreux du tout, hein, sur Terre. On n'était même pas à peu près 5 millions d'êtres humains. On s'est sédentarisé à cette époque-là. Pourquoi on s'est sédentarisé? On a arrêté d'être des nomades, de se déplacer constamment parce que le climat a commencé à être stable. On sortait d'une ère glaciaire et on est rentré dans une ère climatique beaucoup plus stable. Et donc les êtres humains ont compris qu'ils pouvaient cultiver la Terre. Voilà. Donc là, on était 5 millions. Et aujourd'hui, vous savez très bien qu'on approche les 8 milliards d'êtres humains sur Terre. Entre ces deux dates, donc 12 000 ans se sont écoulés, la taille de la Terre, elle n'a pas du tout changé. Et il y a eu une évolution exponentielle de la population. Alors, comment ça s'est passé cette évolution? C'est très récent, hein, on n'a pas attendu, enfin, c'est pas en moins 5 000, moins 4 000 que ça a évolué, hein. C'est très, 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 très récent. Vous voyez ici le point vert sur la courbe, le deuxième point vert. C'est une date précise. Alors, c'est pas ça qui explique toute l'évolution démographique, évidemment, hein, mais c'est l'invention de la machine à vapeur par un certain James Watt, si je ne dis pas de bêtises. Donc les mêmes watts qui sont utilisés, pour ceux qui s'intéressent au sport, pour quantifier les performances physiques du corps humain. C'est les watts aussi qui sont utilisés sur votre facture d'électricité, hein. Vous avez des watts, alors c'est des kilowatts souvent. Mais ces watts, c'est une énergie. Et on va beaucoup parler d'énergie dans cette conférence. Donc ici, l'invention de la machine à vapeur, c'est le début en fait de la révolution industrielle. Alors vous allez me dire, la révolution industrielle, si vous avez un peu de culture à ce niveau-là, c'est plutôt le 19e siècle, voire le milieu du 19e siècle. Oui, vous avez raison, mais l'origine même de la révolution industrielle, le tout début de la révolution industrielle, c'est l'invention de la machine à vapeur. Cette machine à vapeur, donc, elle a été mise au point à la fin du 18e siècle, et vous voyez que là, au début du 19e, on était 1 milliard d'êtres humains, et qu'on a fait x8 en à peu près 2 siècles. Voilà, et quand vous regardez toute la courbe rouge là sur 12 000 ans, vous voyez très bien qu'il y a un souci, parce que c'est quand même un souci quand la taille de la boîte, la taille de la planète Terre n'évolue pas, alors que le nombre d'êtres humains il explose. Bon, mais il est évident que on doit se partager un espace qui n'a pas changé entre beaucoup plus d'êtres humains. Donc ça, c'est un premier, si vous voulez, c'est la première cause des changements que nous vivons aujourd'hui, c'est le changement
d'ordre de grandeur de la taille de la population humaine. Puis ensuite, vous avez un deuxième changement d'ordre de grandeur. Et on le voit avec ce graphique-là. Ce graphique, il parle d'énergie, ce dont je vous parlais tout à l'heure. Et ce graphique vous montre l'évolution de la consommation d'énergie par vous et moi. De manière, alors c'est présenté de manière annuelle pour l'ensemble de la population. Non, pas pour l'ensemble de la population, c'est par être humain. C'est par personne, c'est marqué ici, hein, c'est la consommation d'énergie par personne depuis à peu près 150-160 ans. On commence en 1868 et cette consommation d'énergie annuelle, donc, elle est discrétisée. Il y a différentes classes qui sont présentées en fonction de la source d'énergie dont on se sert. En vert, ici, c'est le bois. Donc, on peut brûler du bois, ça fait de la chaleur, donc c'est une forme d'énergie. Et pendant très longtemps, hein, avant la révolution industrielle notamment, on s'est servi du bois essentiellement pour avoir de la chaleur, pour faire à manger, pour faire une activité industrielle, donc pour alimenter les forges par exemple. Donc on brûlait du bois et ça dégageait de la chaleur et on pouvait faire des choses avec cette chaleur. Et au début de la révolution industrielle est apparu, enfin ça ne s'est pas créé comme ça subitement, ça existait déjà, hein, mais on a trouvé nous un truc qui s'appelle le charbon. Le charbon, c'est ce qui est en noir sur ce graphique. Et vous voyez que depuis le début de la révolution industrielle, la consommation annuelle de charbon par personne à l'échelle du monde, hein, n'a cessé de se développer. Et la partie noire ici, là, a de plus en plus de place, plus le temps passe, parce qu'on ne cesse, année après année, de se servir de plus en plus de charbon. Est arrivé après ça le pétrole. Le pétrole est en rouge. Vous voyez que le pétrole, la consommation de pétrole par personne a explosé, on va dire, après la deuxième guerre mondiale, où on a la partie rouge là qui explose, qui est très importante, et on utilise de plus en plus de pétrole, plus le temps passe, même s'il y a eu quelques petits accidents, sur lesquels on ne reviendra pas, hein, qui s'appellent les chocs pétroliers, qui ont un petit peu fait baisser la consommation de pétrole, mais jusqu'à aujourd'hui en tout cas, et jusqu'à très récemment, en, on va dire début mars 2020, la consommation de pétrole n'avait jamais été aussi importante par personne et par an. Outre le charbon, le pétrole, il y a aussi une troisième énergie qui fait partie de ce qu'on appelle les énergies fossiles, qui est le gaz. Donc le gaz ici est en beige, comme le pétrole et comme le charbon, ce sont des énergies qui sont dans la croûte terrestre, qui sont dans les roches, hein, et qui ont mis des dizaines de millions d'années, voire des centaines de millions d'années à se constituer. Ce sont des traces résiduelles en fait de vie ancienne. Donc il y a plusieurs centaines de millions d'années, des dinosaures, mais pas seulement, de la végétation de l'époque. Ça a mis beaucoup de temps pour se former. Et nous, on a puisé, on a déstocké toutes ces énergies fossiles. Donc quand je dis énergie fossile, il faut comprendre que en effet, c'était sous terre, ça a mis du temps à se former. Et ces énergies sont pleines de carbone. Quand vous utilisez ces énergies, le charbon, le pétrole ou le gaz, et en général, on les brûle, hein, ça va dégager beaucoup d'énergie calorifique, beaucoup de chaleur. On va la transformer en énergie mécanique, bien souvent. Et vous émettez du CO2, parce qu'il y a du carbone dans ces énergies. On va y revenir juste après. Au-dessus, on voit quoi? On voit que très récemment, il y a la partie bleue. Là. La partie bleue, c'est quoi? C'est l'énergie hydraulique. Alors souvent, c'est de l'hydroélectricité. C'est-à-dire on utilise la force de l'eau, et notamment les chutes d'eau, on convertit cette force cinétique de l'eau, ou cette force, parce qu'elle a de la vitesse, elle a aussi une énergie potentielle due à son altitude, dans les lacs en altitude, hein, via les barrages, on utilise cette eau pour fabriquer un courant électrique. Et donc ça existe depuis pas mal de temps. C'est une énergie qui est renouvelable, et qui n'est pas du tout une énergie nouvelle, et qu'on utilise à l'échelle du monde de manière assez importante. C'est d'ailleurs pratiquement la première énergie renouvelable à l'échelle du monde. Ensuite, il y a la partie jaune ici, c'est le nucléaire. Le nucléaire est apparu après la Deuxième Guerre mondiale. Au début, c'était d'origine militaire, et puis très vite, c'est tombé aussi dans le civil. Dans le civil, heureusement, ce n'est pas fait pour faire des morts, et c'est fait pour fabriquer de l'électricité essentiellement. Et ensuite, en rose, là, très récemment, vous avez ce qu'on appelle les nouvelles énergies renouvelables, qui ne sont pas tout à fait nouvelles parce que c'est l'énergie du vent. Les moulins, ça existe depuis pas mal de temps. Alors aujourd'hui, ce sont des éoliennes. Et on utilise aussi l'énergie du soleil pour transformer la lumière en électricité. Donc toutes ces énergies là que vous avez représentées ici, c'est tout ce qu'on consomme année après année et par personne à l'échelle du monde. Et vous voyez que essentiellement, même en 2016, il s'arrête ici le graphique, hein, eh bien essentiellement pour un être humain commun, enfin on va dire moyen, essentiellement on consomme des énergies fossiles et un tout petit peu d'autres choses. C'est ce qui est représenté
dans ces deux camemberts ici, vous avez les énergies dont on vient de parler, qui sont les énergies ici qu'on trouve à l'état naturel, dont on a des stocks d'énergie dans l'environnement, le pétrole, le charbon, le gaz. Le pétrole, le charbon comme le gaz, on l'utilise rarement de manière pure pour les consommer directement. Ils sont un petit peu transformés avant qu'on les consomme. Et c'est donc on appelle ça des énergies finales quand on les transforme. Le pétrole, c'est une énergie primaire. L'énergie finale, c'est du diesel ou c'est de l'essence que vous mettez dans votre voiture, par exemple, ou du fuel que vous mettez dans votre chaudière pour vous chauffer chez vous. Et donc ici, vous avez les énergies primaires. Et d'autre côté, vous avez les énergies dites finales. C'est celles qu'on consomme directement. Bref, sans rentrer dans les détails, quand vous regardez ces deux camemberts, c'est les bilans de consommation d'énergie à l'échelle mondiale assez récemment, il y a 3 ou 4 ans, vous voyez quoi ? Vous voyez que 80 à 85% de l'énergie qu'on consomme, c'est de l'énergie qui va dégager du CO2. Voilà. Donc, quand vous utilisez une source d'énergie, eh bien, de manière directe ou indirecte, vous émettez du CO2. Pourquoi de manière indirecte, je dis ? Parce que regardez ici, on utilise là pour faire la conférence, la visioconférence par exemple, on utilise beaucoup d'électricité, enfin beaucoup, un petit peu. Cette électricité, en direct, il n'y a pas de problème, ça émet rien du tout. Sauf que vous voyez qu'à l'échelle du monde, c'est moins vrai en France parce qu'on a beaucoup de nucléaire, hein, mais à l'échelle du monde, il y a seulement un tiers de l'électricité qui ne dégage pas de CO2. C'est-à-dire que deux tiers du temps, quand vous consommez de l'énergie électrique, en fait, vous émettez quelque part du CO2. Pourquoi ? Parce que très souvent, ce sont des centrales au charbon qui brûlent du charbon pour fabriquer le courant électrique. Et donc, quelque part, loin de chez vous, vous avez une émission de CO2 qui est provoquée par votre consommation d'électricité. Donc, ce qu'il faut retenir dans cette diapo, c'est que consommation d'énergie, pour l'instant en tout cas, ça rime avec émission de CO2. Alors, vous allez me dire, oui, très bien, mais on développe de plus en plus les énergies propres. Donc, on va essayer de s'orienter vers le solaire, vers les éoliennes, vers même l'hydroélectricité, pour éviter d'émettre ces CO2. Alors, mauvaise nouvelle, ça c'est ce que vous dit la presse. Les médias, de manière générale, ils vous disent que, voilà, quand il y a une ferme solaire qui est ouverte quelque part, on vous fait un petit article dans un journal ou sur un site internet. Malheureusement, regardez, là, depuis les débuts des années 2000, les énergies qui, en valeur absolue, augmentent le plus, eh bien, en premier, c'est le charbon. En deuxième, c'est le gaz. Et en troisième, c'est le pétrole. C'est ce qui est marqué ici. Donc, en fait, notre consommation énergétique, elle ne cesse d'augmenter. C'est ce que nous a montré ce graphique, par personne. Et dans le même temps, ce qui augmente le plus, c'est notre consommation de charbon, de gaz et de pétrole. Voilà. Et vous voyez qu'ici, le solaire et le vent augmentent beaucoup moins vite que le charbon. On vous cite toujours des pourcentages, donc les pourcentages, ça fausse tout. Parce que évidemment que le taux de croissance des énergies solaires et éoliennes, ils sont énormes parce que ces énergies partent de rien. Donc comme on part de rien, quand vous multipliez par 4, par 5, par 8, par 20, ça fait, vous avez des pourcentages de 2000%, de 3000%, ça vous semble énorme. Mais quand on part de rien, 3000%, c'est pas grand chose. Donc il faut garder à l'esprit que notre consommation énergétique, son augmentation en tout cas, s'appuie essentiellement sur les énergies fossiles. Alors ça sert à quoi toutes ces énergies qu'on consomme ? Eh bien ça sert à ça. Il y a, on va dire, trois grands secteurs dans lesquels on consomme de l'énergie. Premier secteur, ça c'est facile à appréhender, c'est les transports. Vous avez bien conscience que pour vous déplacer, que ce soit dans une voiture, dans un camion, dans un bus, que ce soit dans un avion, il faut mettre un truc qui s'appelle de l'essence, ou du diesel pour que ça avance. Donc évidemment, les transports, ça consomme de l'énergie. Autre secteur qui consomme beaucoup d'énergie, l'industrie. Évidemment, quand vous allez dans un magasin acheter un produit manufacturé, bon ben ce produit, il n'a pas poussé dans un arbre, il a bien fallu le construire. Et on fabrique les objets manufacturés, les voitures ou les ordinateurs ou n'importe quoi, hein, qui s'achètent dans des industries, dans des usines. Et ces usines, eh ben, elles utilisent beaucoup d'énergie pour construire ces produits. Ensuite, autre secteur qui consomme beaucoup d'énergie, et en fait le secteur qui consomme le plus d'énergie, c'est ce qu'on appelle, ce sont les bâtiments en fait. J'ai mis ici confort thermique. En effet, pourquoi ? Parce que c'est surtout le fait de réchauffer les bâtiments, donc l'hiver, de les refroidir l'été, parfois, et de plus en plus, et aussi d'utiliser de l'eau chaude chez vous, pour vous doucher notamment, pour prendre des bains, pour laver la vaisselle, pour faire à manger. Tout ça, c'est ce qu'on appelle un confort thermique dans les bâtiments. C'est le secteur qui consomme le plus d'énergie en fait.
Et enfin, vous avez un autre secteur qui consomme beaucoup d'énergie, qui est tout ce qui, c'est la pétrochimie, donc la chimie des plastiques. Quand vous transformez le pétrole en plastique, en n'importe quoi qui est en plastique, hein, ben c'est un, ça consomme beaucoup d'énergie. Et tout ça, ben en gros, vous voyez ici, les quatre grands secteurs dont je viens de vous parler, c'est l'essentiel de notre vie. Parce qu'on vit dans des bâtiments, on achète des produits manufacturés, on se déplace avec des véhicules qui consomment beaucoup d'énergie, et notre société repose sur la chimie du pétrole. Donc, ce n'est pas une bonne nouvelle, parce que ça, il va falloir le faire baisser. Parce que tous ces trucs-là, eh ben, c'est des sources d'émissions de CO2. Alors, maintenant que je vous ai dit tout ça, on va faire un lien entre notre consommation énergétique et l'économie. Parce que, évidemment, on sait tous que l'argent, c'est le nerf de la guerre. Et quand on regarde ce graphique, il vous montre quoi? Il vous montre que plus notre consommation énergétique augmente, c'est ce qui est en abscisse ici sur le graphique, hein, plus elle augmente, cette consommation énergétique, plus on fait croître notre PIB. Donc le PIB, vous savez, c'est cette notion de richesse. C'est tous les salaires qui sont distribués au cours de l'année, c'est tout ce qui va être acheté dans le commerce, ça représente le PIB, c'est ce qu'on appelle la création de richesse quelque part. Bon, voilà, très bien. Et bien, figurez-vous qu'il y a une corrélation pratiquement parfaite entre la consommation énergétique et la croissance du PIB. Plus la consommation énergétique est importante, plus le PIB va croître. Et ça, c'est vrai depuis, c'est marqué en bas, ça fait plus de 60, près de 60 ans que c'est vrai. Et vous voyez que si vous êtes un petit peu calé en statistique, le R carré, là, il est pratiquement égal à 1, ça veut dire que la corrélation est quasiment parfaite. Ça veut dire qu'il y a une covariation parfaite entre la hausse de la consommation énergétique et la hausse du PIB. Donc, je vous ai dit précédemment qu'il faudrait peut-être faire baisser la consommation énergétique, puisque plus on consomme d'énergie, plus on émet de CO2. Ça voudrait dire que si on fait baisser la consommation énergétique dans notre système actuel, hein, eh ben ça veut dire qu'on fait baisser le PIB. Et ça, il n'y a aucun gouvernement du monde entier qui souhaite faire baisser la consommation énergétique, parce que ça fera baisser le PIB. Puisque tous les gouvernements du monde entier vous promettent quoi? Quand ils se présentent à une élection, vous promettent de la croissance. Quand on vous parle de croissance, c'est implicitement la croissance du PIB, évidemment. Donc la croissance de la consommation énergétique, donc la croissance des émissions de CO2. Alors, grosse mauvaise nouvelle pour nous, ce PIB, c'est le chiffre macroéconomique de référence, hein, depuis déjà plusieurs décennies. Tout le monde court après la croissance du PIB. Le problème, c'est que le PIB, il néglige pas mal de choses. Et donc, ce petit schéma vous montre quoi? Vous montre que alors, il y a les êtres humains, donc ça c'est nos sociétés. Nous on est au centre, on est ici. Très bien. De ce côté, il y a tous les biens et services qu'on va pouvoir construire ou vendre dans nos sociétés. Donc vous avez des voitures, on construit des maisons, etc. Et vous voyez quoi? Vous voyez que le PIB mesure en fait ce qui se passe avec le travail de l'être humain. L'être humain travaille. Donc, c'est ce qui est marqué ici, c'est le W. En économie, le travail, c'est un W. Très bien. On travaille pour fabriquer des choses et on investit de l'argent, le capital, pour aussi fabriquer des choses. Très bien. Le PIB, il ne compte que ça. Il ne compte que le travail et le capital. Le problème, c'est que le monde dans lequel on vit, il ne se résume pas qu'à ça. Il ne se résume pas qu'à des êtres humains et des produits manufacturés. Il y a autre chose. Notamment, deux autres choses importantes, c'est que pour fabriquer tous ces biens manufacturés, il a fallu se servir de ressources naturelles dans des stocks qui sont parfois renouvelables et qui sont parfois non renouvelables. Certains stocks renouvelables, alors pas un stock renouvelable, exemple l'océan. Quand vous allez pêcher, voilà, vous avez une activité de pêche, vous pêchez, les poissons se reproduisent. Et tant que vous respectez la logique environnementale de la reproduction du poisson et que vous ne faites pas de la surpêche, les poissons se renouvellent et donc c'est un stock renouvelable. Très bien. Le problème, c'est que, vous le savez tous, on surpêche. Donc, les stocks qui sont renouvelables peuvent parfois devenir non renouvelables. Ça, c'est une première mauvaise nouvelle. Et l'exemple type des stocks non renouvelables, ce sont les énergies fossiles. Souvenez-vous, tout à l'heure, je vous ai dit, pour être fabriqué, les énergies fossiles, ça met des dizaines, voire des centaines de millions d'années. Donc, il est évident qu'à l'échelle d'une vie humaine, les énergies fossiles, ce sont des énergies, ce sont des matières premières qui sont non renouvelables. Donc,
Le souci auquel on est confronté aujourd'hui, c'est que quand on ne prend en compte que le PIB pour gouverner, pour guider en fait l'avenir d'un pays et du monde entier, eh bien on néglige en premier lieu ces stocks de ressources naturelles qui sont renouvelables et non renouvelables, parce que là, vous voyez bien, on ne les prend pas du tout en compte dans le PIB. Le PIB ne compte que le travail humain et le travail du capital, en gros. Il s'en fout complètement des ressources naturelles. Et d'ailleurs, c'est au début du 19e siècle qu'il y a un économiste qui s'appelle Jean-Baptiste Say qui a dit que les ressources naturelles, il a quasiment dit ça, hein, les ressources naturelles sont infinies. Et donc, puisqu'elles sont infinies, on n'en tient pas compte dans les traités économiques. Et ça fait deux siècles, en fait, qu'on fonctionne avec cette logique de on ne regarde pas ce que la nature peut avoir de bien ou de mal, d'influence sur l'économie, puisqu'en fait, la nature est infinie. Et ce n'est pas la peine de la prendre en compte. Bon, malheureusement, c'est qu'il faudrait peut-être un petit peu changer de logiciel, parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que, d'une part, la nature, elle est épuisable, les stocks d'énergie ou de matières premières sont épuisables. Et deuxièmement, en fabriquant tout ce qu'on fabrique, en brûlant donc des énergies fossiles, on produit ce qu'on appelle de la pollution. C'est ce qui est marqué ici en haut. Et la pollution, pareil, dans le PIB, elle n'est pas prise en compte. On ne compte pas du tout les nuisances sanitaires, les nuisances environnementales que l'on émet en fait quand on produit des biens et des services. La mauvaise nouvelle, la dernière mauvaise nouvelle, j'ai envie de dire, c'est que ces nuisances environnementales de pollution, hein, c'est un terme générique de pollution, déjà ne sont pas prises en compte dans le PIB, mais en plus, elles peuvent impacter les ressources naturelles. Puisqu'on sait tous que voilà, quand vous déversez du plomb, du mercure dans les océans, ben, les poissons, globalement, ils vont pas aimer ça. Quand vous mettez plus de CO2 dans l'atmosphère, que l'atmosphère se réchauffe et que donc les océans se réchauffent, à un moment donné, il y a par exemple les coraux qui vont avoir des soucis. Donc il y a des nuisances environnementales ici qui sont très réelles, très présentes, mais qui ne sont absolument pas prises en compte dans dans l'indicateur macroéconomique qui nous permet de gouverner l'avenir de la planète, qui s'appelle le PIB. Donc malheureusement, la grosse mauvaise nouvelle, c'est que notre planète est mal dirigée. Et que je ne sais pas jusqu'à quand les femmes et les hommes politiques qui dirigent vont utiliser ce même logiciel, qui est totalement faux en fait. On marche complètement sur la tête. Malheureusement, pour l'instant, on n'en sort pas. Alors on n'en sort pas, et je ne suis pas du tout le premier à le dire, hein, alors ça c'est clair et net, si on remonte un petit peu dans le passé, il y a eu des gens qui ont travaillé dans ce qu'on appelle la dynamique des systèmes. Alors en gros, c'est comment fonctionne le monde avec quelques variables, variables alimentation, variables population, variables ressources naturelles, variables industrie. Et donc là, vous avez ces variables-là qui sont sur ce graphique. Et ils ont fait, alors c'était dans les années 70, c'est un rapport qui s'appelle le rapport Meadows, qui avait été commandé par des industriels en fait à l'époque. C'était le rapport du Club de Rome, pour ceux qui ont entendu parler du Club de Rome. Et ce rapport disait quoi ? Disait que en gros, vers 2030, alors à l'époque c'était 2040, en 2040, on assisterait à un effondrement du système économique et de nos sociétés. Alors, ce rapport, il a été beaucoup décrié dans les années 70-80. Évidemment, il y a plein de gens qui étaient contre. Le problème, c'est que on n'est pas en train de parler de croyances religieuses ou de dogmes politiques. On est en train de parler de physique, en fait. Et la physique, vous pouvez rarement être contre. Vous pouvez aimer, ne pas aimer, mais être contre la physique, ça peut être dangereux. Hein. Si vous vous amusez à sauter par la fenêtre, vous allez voir qu'il y a une règle qui s'applique à tous, hein, ça s'appelle la gravité, et en général, on va tous tomber très vite par terre. La physique, elle est inviolable. Donc, ce rapport du Club de Rome, il parlait pas mal de physique quand même. La physique est quand même négligée par beaucoup d'économistes. Et le souci, c'est quand on se heurte aux limites physiques du monde, on n'a pas le choix. Ce n'est pas une question de choix ou de croyance, c'est une question de « c'est comme ça ». Ça s'appelle la physique, c'est les règles de la matrice dans laquelle on vit, en fait, si vous voulez. Et donc, les gens qui ont fait des prévisions, en fait, sur le long terme, sur l'évolution du monde, ils l'ont fait une fois en 70, puis d'autres personnes l'ont refait au début des années 2000, ils sont arrivés aux mêmes conclusions. C'est qu'à un moment donné, vous voyez ici, la population, elle augmente. L'alimentation, pareil, la production alimentaire, elle augmente. Les services augmentent, l'industrie augmente.
Dans le même temps, les énergies non renouvelables, elles diminuent. Et vous avez un truc ici qui augmente, qui s'appelle la pollution. Ça augmente, ça augmente, ça augmente. Et à un moment donné, toutes ces courbes qui se croisent, eh bien, vont faire que la pollution devenant trop importante, eh bien, vous allez avoir l'alimentation qui va décroître, vous allez avoir les services du coup qui décroissent, et puis la population va décroître à un moment donné, de fait. Parce que quand vous tapez dans les ressources alimentaires, s'il y a moins à manger, il y aura moins de gens. Donc ça, c'est la mauvaise nouvelle. Alors, comment on fait pour essayer d'éviter ça? Mais il va falloir commencer à apprendre à compter. Alors, il faut compter quoi? En fait, on veut quoi? On veut éviter cette augmentation de la courbe bleue, là. On veut éviter que la pollution continue d'augmenter. La pollution, quand on parle du changement climatique, c'est surtout les émissions de CO2. Aujourd'hui, c'est un chiffre que vous pouvez retenir, si vous aimez un petit peu les chiffres. Les émissions de CO2, c'est 40 milliards de tonnes de CO2 par an à l'échelle du monde. 40 milliards de tonnes. Et principalement, ça vient d'où? Eh bien, des énergies fossiles. Vous voyez ici, on a des réservoirs géologiques. Nous, on fait quoi? On déstocke des énergies fossiles, on déstocke du carbone qui est sous terre pour le mettre dans l'atmosphère. Alors, ce n'est pas le premier but, hein, de le mettre dans l'atmosphère, mais comme on les brûle, ces énergies fossiles, ça met du CO2 dans l'atmosphère. Et vous voyez qu'à peu près 34 milliards de tonnes chaque année sont émises dans l'atmosphère en déstockant des énergies fossiles. Et il y a à peu près 5 milliards de tonnes aussi de CO2 qui est émis dans l'atmosphère, là, quand on fait ce qu'on appelle du changement d'occupation du sol. Alors ça, c'est le terme politiquement correct, hein, le changement d'occupation du sol. Le terme beaucoup moins politiquement correct s'appelle de la déforestation. Quand vous coupez des forêts pour faire des surfaces agricoles, par exemple, c'est principalement ça, la déforestation, hein, c'est créer des surfaces agricoles et surtout des surfaces agricoles pour faire manger du bétail. C'est ça. Donc quand vous mangez de la viande, si vous voulez, ben vous êtes indirectement responsable de déforestation, parce que on a coupé des forêts pour faire du maïs, par exemple, pour faire manger des animaux que nous on va manger par la suite. Bref, donc ces deux grandes sources d'émissions de CO2, la déforestation et les énergies fossiles, c'est 40 milliards de tonnes de CO2 par an à l'échelle du monde. Très bien. Si on regarde les émissions, alors ça c'est un chiffre assez actuel, hein, c'était le chiffre moyen dans la décennie, on va dire 2007-2016. Si on prend les émissions de 2019, c'était 42 ou 43 milliards. Ça ne cesse d'augmenter, en fait. Et si on regarde l'évolution des émissions de CO2 depuis une cinquantaine d'années, c'est ça. On part ici, en 60, on n'était même pas à 10 milliards de tonnes de CO2. Et là, hop, on monte. Ça, c'est que les émissions des énergies fossiles. Et on se rapproche de 35, voire 40 milliards. Et vous voyez quoi? Vous voyez que ça ne cesse de progresser. Alors, fait un petit peu, on va dire, cynique, si vous vous souvenez peut-être, si vous connaissez ça, en 92, il y a eu ce qu'on a appelé le sommet de la Terre à Rio. C'est le troisième sommet de la Terre. L'ensemble des pays du monde se sont engagés à réduire les émissions de CO2. On a pris conscience qu'il y avait un souci avec le climat, qu'on émettait trop de CO2. Et donc ici, là, on était à peu près à 22-23 milliards de tonnes de CO2 émises. Les pays du monde entier se sont engagés à faire baisser les émissions de CO2. 20 ans plus tard, elles ont augmenté de 66%, de 2/3. Donc voilà, entre ce qu'on fait, ce qu'on souhaiterait faire et ce qui se passe vraiment, ce n'est pas tout à fait la même chose. Donc, les émissions de CO2 augmentent chaque année. Conséquence immédiate, la concentration de CO2 dans l'atmosphère augmente. Ici, vous avez, donc c'est la quantité de CO2 dans l'atmosphère, hein, la concentration de CO2. Ici, vous avez un site de mesure historique qui est à Hawaï, qui mesure depuis 1958 les concentrations de CO2 dans l'atmosphère. On est passé de 315 ppm de CO2 dans l'atmosphère. Alors, 315 ppm, c'est quoi? Si on compare avec l'oxygène, vous savez tous qu'il y a du dioxygène dans l'atmosphère, puisqu'on le respire, on vit grâce à lui, il y a 21% d'oxygène. Eh bien, il y a 0,03% de CO2. C'est tout petit, mais ça augmente, puisque de 0,03%, on est passé aujourd'hui à 0,04%. On a fait quand même plus 30% d'augmentation. Et ça, en 60 ans. Donc, c'est pas mal. Et là, c'est tout le problème du changement climatique. Le CO2 augmentant dans l'atmosphère, ça renforce, puisque le CO2 est un gaz à effet de serre, ça renforce l'effet de serre, et donc ça fait augmenter les températures. Ici, vous avez un graphique qui vous montre l'augmentation des températures en moyenne sur Terre depuis 1880. Donc vous voyez, au début c'était plutôt stable, et puis ça augmente un peu, puis ça redescend un tout petit peu, et depuis en gros 1970, ça ne fait qu'augmenter, et ça augmente de manière quasi linéaire,
dès lors qu'on prend un intervalle un petit peu long, hein, de 15 ou 20 ans. Et la tendance est très forte depuis 50 ans. Visiblement, ça va continuer. Et donc, ça va être ça la deuxième partie de la conférence, c'est de voir comment le monde, comment le climat de la Terre évolue avec cette augmentation de CO2 dans l'atmosphère. Donc, on sait tous que la température va augmenter. Et souvenez-vous, en 2015 à Paris, donc ça, c'est les réunions de l'ONU et du GIEC pour dire qu'est-ce qu'on fait pour le climat. Donc, c'est les fameuses COP, c'est les conférences des parties. Là, c'était la COP 21 à Paris. On a dit il faudrait limiter le réchauffement climatique à 1,5, voire à 2 degrés. Enfin, ils ont dit à 2 degrés, voire à 1,5 degrés, puisque c'est encore plus ambitieux comme objectif. Donc pour ça, les climatologues qui travaillent sur les questions de lien entre la température de l'atmosphère et la quantité de CO2, ils nous disent quoi? Ils nous disent que pour limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré, alors même qu'on est déjà à plus de 1, hein, puisque là, les dernières années, on est à plus de 1 degré de réchauffement, donc on a droit à 1,5 degré de réchauffement encore, hein, eh bien, on a un budget carbone. C'est-à-dire qu'on a droit d'émettre telle quantité de CO2 dans l'atmosphère. Ce budget carbone, c'est 240 milliards de tonnes de CO2. Si on veut limiter le réchauffement climatique à 2 degrés, on a droit à un peu plus de CO2, évidemment. On peut encore émettre 990 milliards de tonnes de CO2. Souvenez-vous, je vous ai dit qu'on émettait 40 milliards de tonnes par an. Donc, même si vous êtes fâché avec les maths, 240 divisé par 40, ça fait 6. Ça veut dire que dans 6 ans, en 2026, les 1,5 degrés, c'est terminé. Donc, comment on fait pour faire baisser nos émissions de CO2? Ce petit camembert va vous montrer l'évolution en fait des émissions de CO2 depuis le début de la révolution industrielle. Donc, ça va commencer, on commence ici, hein, en gros, en haut, à l'origine du graphique, et puis ça va progresser dans ce sens-là, et vous allez voir, plus le temps passe, quelles sont nos émissions de CO2. Quand on aura fait le tour complet du camembert, là, on sera arrivé à notre budget de 2 degrés. Quand on sera arrivé ici, on sera arrivé au budget 1,5 degré. Donc là, on est en 1850. En 1850, hop, on fait progresser le temps, on passe 50 ans. En 50 ans, vous voyez, on a émis un petit peu de CO2. Très bien. On est en 1900. 1950, on a fait encore augmenter nos émissions de CO2. OK. Puis en 1950, on sait qu'entre 45 et 75, il y a eu ce qu'on appelait les 30 glorieuses. Et donc, bim, les 30 glorieuses, vous voyez que ça a fait exploser nos émissions de CO2. Et puis, de toute façon, plus le temps passe et plus on émet beaucoup de CO2. Et donc, vous voyez qu'en 2017, on en était là. Vous rajoutez deux ans parce qu'on est à fin 2019. Bon, en 2020, on n'a pas les chiffres encore, évidemment. Mais à fin 2019, on en était là. On a émis cette quantité de CO2 et il nous reste ça pour atteindre notre budget de 1,5 degré et un peu plus pour atteindre les 2 degrés. Donc, on fait comment, à 8 milliards d'êtres humains sur Terre pour éviter d'émettre trop de CO2 et faire se réchauffer le climat de 1,5 ou de 2 degrés. Eh bien, on va faire des calculs tout bêtes, de règles de 3, en fait, où on regarde quoi? On regarde l'évolution des êtres humains sur Terre. L'évolution sur les 30 prochaines années, selon les projections démographiques, c'est ça. On sera en moyenne 9 milliards d'êtres humains sur Terre. Ok, donc 9 milliards d'êtres humains sur Terre sur les 30 prochaines années, ça, avec 240 milliards de tonnes de CO2 à émettre pour éviter de dépasser les 1,5 degrés, ça fait quoi? Eh bien, ça fait qu'on a droit chacun d'entre nous à une tonne de CO2 par an, par habitant. Parce qu'on a 30 ans, donc on divise 240 par 30, puis on divise par 9, puisqu'on est 9 milliards d'êtres humains, ça fait que par personne, vous avez le droit d'émettre une tonne de CO2 par an. Pour les 2 degrés, c'est un peu plus. On a droit à 3,5 tonnes de CO2. Et du coup, maintenant, je vous pose la question. OK, ça veut dire quoi émettre une tonne de CO2 par an par habitant? Ben, par exemple, un Français moyen, et c'est vrai depuis 1995, émet 8 tonnes de CO2 par an. Donc, en moyenne, vous et moi, on est responsable de l'émission de 8 tonnes de CO2 par an. Et là, je vous dis, pour limiter le réchauffement à 1 degré, à 1,5 degré, pardon, hein, il faut baisser à 1 tonne. C'est-à-dire qu'il faut faire baisser nos émissions d'un facteur 8. Il faut diviser nos émissions par 8. Pour 2 degrés, il faut les diviser par 2 en haut, un peu plus que par 2. Et donc là, maintenant, je vous laisse tout seul aller voir ce site, des adresses. C'est un
C'est un fichier Excel. Alors, peut-être vous êtes fâché avec Excel, mais peu importe. Il faudra bien passer par là si on veut avoir une action un jour sur nos émissions de CO2. Il faut quantifier, en fait. Il faut commencer à faire votre bilan carbone, votre budget carbone. Donc, je vous conseille, si ça vous intéresse, évidemment, hein, pas vous forcer, il faut que ça soit quand même, il faut qu'il y ait un intérêt pour vous de télécharger ce fichier Excel et de remplir. Vous allez voir, il est bien présenté. Et vous verrez comme ça quel est votre impact en termes d'émissions de CO2. Je vous le dis de suite, moi qui fais un petit peu attention, je suis dans la moyenne des Français. Vous allez voir que c'est très difficile de ne pas émettre de CO2, de ne pas émettre beaucoup de CO2, on va voir. Donc, là, si vous n'êtes pas encore parti dans un délire psychotique parce qu'on voyait très bien que ça va mal, et si vous n'êtes pas endormi parce que ça ne vous intéresse pas ce que je vous raconte, on va parler de la toute dernière partie, les conséquences sur le climat. Les conséquences sur le climat, comment on fait pour se projeter dans l'avenir en termes climatiques? On utilise ce qu'on appelle des modèles climatiques, ce sont les outils qui permettent de calculer l'évolution du climat. Donc les modèles climatiques, ils discrétisent la Terre en petits pixels comme ça, ça fonctionne comme ça. Donc vous avez des calculs qui sont effectués dans chaque pixel. Et donc ces modèles, ils ont une résolution. C'est la taille des pixels. Plus le temps passe et plus la résolution elle est bonne, c'est exactement comme les écrans d'ordinateur, les écrans de télé, on a des pixels de plus en plus petits. Et donc, ces pixels de plus en plus petits, là vous avez des pixels à l'échelle de la France, vous voyez, ils font 12 km quand même à l'échelle de la France, donc c'est pas très 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 petit. Mon travail, moi en tant que chercheur, c'est d'affiner encore les modèles climatiques pour avoir des cartes locales qui permettent d'avoir de donner une idée fidèle de ce que sera le climat dans le futur. Donc je travaille notamment à l'échelle de la métropole Nice-Côte d'Azur. Donc là, vous avez la carte de la métropole Nice-Côte d'Azur. C'est une métropole qui est très allongée dans le sens nord-sud, puisque ça part de la mer et ça va jusqu'à la frontière italienne et jusqu'au col de la Bonnette. Là. Donc dans cette métropole Nice-Côte d'Azur, vous allez voir que le climat évolue selon différents scénarios, puisqu'à l'échelle du monde, on ne sait pas du tout comment ça va évoluer. Est-ce qu'on va être vertueux? Est-ce qu'on va faire baisser nos émissions de CO2 de manière rapide? Ou au contraire, est-ce qu'on va laisser faire? Est-ce qu'on va continuer les bonnes méthodes qu'on connaît depuis toujours pour continuer à faire croître l'économie? Parce que malheureusement, il y a quand même une grosse contradiction entre la croissance de l'économie et, on va dire, la maîtrise de l'évolution du climat. Malheureusement, c'est comme ça. Je ne suis pas communiste. Hein. Je suis avant tout scientifique. Et en tant que scientifique, je vous le dis, si on veut agir sur le climat, il va falloir de plus en plus faire ce qu'on appelle de la décroissance. Tous les gens qui vous disent que la croissance verte, c'est possible, j'ai beaucoup, beaucoup de mal à le croire. Enfin bref. Donc, comment on se projette dans le futur pour le climat? Eh bien, on fait des scénarios. Est-ce qu'on va être gentil? Est-ce qu'on ne va pas être gentil? Donc, le scénario gentil, c'est ce qu'on appelle le 2.6, le RCP 2.6. Alors, RCP, c'est en anglais. Hein. En gros, c'est combien d'énergie on ajoute dans le système climatique. L'énergie, ce sont des watts. On revient à nos watts de la machine à vapeur. Hein. C'est les 2,6 watts par mètre carré en plus dans le système climatique terrestre. On ne va pas rentrer dans les détails, mais retenez que c'est de l'énergie en plus. L'énergie en plus, c'est de la température qui augmente. Et donc, plus le chiffre il est gros, là, 2,6, 4,5, 6, 8,5, plus ça veut dire qu'on va faire augmenter la température. Et donc, moi, en tant que géographe climatologue, mon travail, c'est quoi? C'est de produire des cartes locales. Et les cartes locales, vous voyez, avec une résolution qui est très fine, puisque la taille des pixels dans ces cartes, elle est de 25 mètres. Donc les pixels font 25 mètres de côté. Et tous les 25 mètres de côté, je calcule une température. Ces températures-là, vous avez des cartes d'évolution, c'est pour la température au mois de juillet. Alors c'est les maximales pendant l'été, si vous voulez. Hein. Là, c'était la fin du siècle, la fin du 20e siècle. Vous aviez cette température-là dans la métropole Nice-Côte d'Azur, à peu près 23 degrés. Quand on prend en compte et le littoral et les montagnes. Et là, c'est la fin du siècle qu'on est en train de vivre. Donc, c'est les 20 dernières années du 21e siècle, selon un modèle et selon ce scénario gentil 2.6. Et là, ce scénario très émissif en termes de CO2, 8.5. Vous voyez qu'il y a quand même une différence de 5 degrés en moyenne entre les deux. C'est-à-dire que si on n'émet pas beaucoup de CO2, eh bien, on va réchauffer le climat de la métropole Nice-Côte d'Azur de 2 degrés. Par rapport à la fin du XXe siècle, si on émet beaucoup de CO2, c'est plutôt 7 degrés. Donc 7 degrés, je vous laisse imaginer, la normale climatique à Nice à la fin du XXe siècle, c'était 27 degrés à l'aéroport. 7 degrés, ça veut dire que la normale climatique, la moyenne, c'est 34.
C'est-à-dire qu'un jour sur deux, il fait plus de 34 degrés. Ça veut dire que quand il y a une vague de chaleur, il fait 41, il fait 42. C'est-à-dire les températures qu'on observe actuellement plutôt du côté sud de la Méditerranée et côté sud dans l'intérieur des terres. Donc voilà, ça c'est un exemple. Avec un modèle, on peut faire un autre exemple avec un autre modèle. Ce n'est pas le même modèle, vous voyez. Le précédent, c'était un modèle français, s'appelle le modèle ALADA. Et ça, c'est un modèle italien, qui s'appelle le Regional Climate Model. Ce modèle italien, c'est bien de comparer les modèles pour voir un petit peu s'ils disent tous la même chose ou pas. Bien, si je change de diapo, là, vous voyez que les cartes se ressemblent quand même beaucoup. C'est évidemment la prévision pour les températures du mois de juillet et l'après-midi, avec les mêmes périodes de temps, avec les mêmes scénarios. C'est juste deux outils, deux modèles qui changent. Et vous voyez que les cartes se ressemblent beaucoup. Ça veut dire que, globalement, les projections climatiques, elles ne sont pas farfelues. Quel que soit le modèle qu'on prend en compte, eh bien, ça nous dit que si on est plutôt respectueux de l'environnement et qu'on n'émet pas beaucoup de CO2, on va réchauffer le climat, mais de manière assez limitée. Par contre, si on ne fait pas gaffe du tout, eh bien, le climat va partir dans ses délires et en moyenne, on va gagner 6 à 7 degrés. En tout cas ici, hein, dans la métropole Nice-Côte d'Azur, ça peut être très différent ailleurs dans le monde. Globalement, ça se réchauffe, mais l'intensité peut être différente. Mais ici, c'est l'ordre de grandeur. On va faire plus 100 degrés jusqu'à plus 6 ou plus 7 en fonction de nos comportements. Donc voilà ce que j'avais à vous raconter moi aujourd'hui. Ça peut vous sembler un effet de la fiction. C'est le thème du colloque de ce festival, donc ça tombe très bien. Malheureusement, je pense que ça ne sera pas de la fiction du tout. Si on ne fait pas attention, on ira, à mon avis, vers des trucs qui sont assez dangereux et qui vont compromettre l'évolution démographique à l'échelle du monde, qui vont compromettre le bien-être de la nature, des animaux. Et donc, faites attention, essayez de vous sentir concerné. C'est ce que raconte un petit peu ce petit texte. C'est une petite blague qui est très connue. Il faut qu'on se sente concerné, qu'on ne fasse pas seulement confiance aux autres pour agir. C'est chacun d'entre nous qui doit essayer, à son niveau, à son échelle, d'être un peu plus raisonnable. Il ne s'agit pas de revivre comme il y a deux siècles, pas dans une caverne, mais presque, mais d'être raisonnable. On ne peut pas tout faire. En tout cas, ce qu'on nous fait croire, partir en vacances au bout du monde, manger de la viande tous les jours, vouloir qu'il fasse 26 degrés dans son appartement l'été et puis 18 l'été parce qu'on aime bien avoir froid quand il fait chaud, tout ça, c'est pas raisonnable. Et donc, il faut réapprendre à être raisonnable et on peut vivre tout à fait correctement et être heureux en étant raisonnable. Voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Je vous remercie. Super, merci Nicolas pour cette super conférence qui éclaircit quand même pas mal de choses et puis qui finalement tu mets des points sur des choses qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. Je vais avoir une première question là, qui c'est peut-être un peu pas chronologique par rapport à ta présentation, mais c'est pas grave. Ça va être la première question qui me vient. C'est que tu dis la croissance verte n'avait pas c'est un peu peut-être utopique, je ne sais pas de quel sens il faut la prendre. Tu peux nous préciser un peu plus pourquoi cette croissance verte est si utopique que ça? On a vu, quand on retombe sur le graphique de la croissance et de l'énergie et du PIB, là, si je remonte ici, la croissance verte, ça voudrait dire quoi? C'est-à-dire que la croissance énergétique, en fait, s'appuie, la croissance du PIB s'appuie sur une énergie verte, entre guillemets. Et donc, les éoliennes, les barrages hydroélectriques, les panneaux photovoltaïques. Malheureusement, si on veut avoir autant d'énergie à disposition pour produire autant de PIB, les éoliennes et les panneaux photovoltaïques ne suffiront pas du tout. Et il faudra tellement en produire que globalement, on retombera sur d'autres problèmes environnementaux, d'autres limites physiques, parce que les panneaux photovoltaïques, c'est comme pour beaucoup d'autres choses, il n'y a pas de réservoir géologique de panneaux photovoltaïques, il faut les construire. Hein. Et donc, il faut qu'il y ait des usines qui utilisent aussi beaucoup d'énergie. Alors, pour l'instant, en plus, ces usines sont des usines qui utilisent de l'énergie fossile. Le monde idéal, ça serait un monde où les énergies qui construisent des panneaux photovoltaïques ou des éoliennes n'utilisent que de l'électricité qui vient de panneaux photovoltaïques ou d'éoliennes. Malheureusement, il y a des soucis, des gros soucis avec ces énergies parce que ce sont des énergies qui ne sont pas commandables. Des énergies qui sont fatales, c'est-à-dire l'éolienne, elle marche quand il y a du vent. Et en gros, c'est un cinquième du temps, voilà, pour faire simple. Alors qu'une centrale qui fonctionne avec du charbon, quand vous appuyez sur un bouton, elle fonctionne. Quand vous rappuyez sur le bouton, elle s'arrête de fonctionner.
Donc, il y a des choses qui sont pilotables aujourd'hui, facilement pilotables avec du fossile, qui ne le sont plus du tout avec des énergies renouvelables. Donc, la croissance verte parfaite, ça serait une croissance qui ne s'appuie que sur des énergies renouvelables, des énergies entre guillemets vertes. Mais si on fait ça à très grande échelle, à l'échelle du monde, eh bien, il y a des limites physiques évidentes que pas grand monde a en tête, et puis on se le cache parce qu'on se dit qu'on pourra toujours prospérer de la manière dont on prospère depuis un siècle et demi, et qu'il n'y a pas de limites physiques. Malheureusement, il y a des limites physiques. Donc c'est à ça que je pense en fait. Je ne dis pas que ce n'est pas possible qu'on fasse des choses plus vertueuses, mais qu'on le fasse de manière aussi massive, en faisant croître le PIB de la même manière indéfiniment, je ne pense pas physiquement que ce soit possible. Ok, merci pour ces éclaircissements. Alors j'ai deux questions là de l'audience. La première qui vient de... En gros, on me signale, on voit le vélo derrière toi. Ah oui. Est-ce que ça fait partie de ton effort personnel au quotidien, et quels seraient les moyens concrets si tu devais conseiller les gens pour faire changer un peu les choses, quelles seraient concrètement les choses qu'il faudrait faire? Est-ce que toi, par exemple, tu es aussi devenu végétarien du coup? Non, alors je suis pas végétarien, je mange pas beaucoup de viande rouge parce que j'ai pas besoin de beaucoup de viande rouge, j'aime beaucoup ça, mais j'en mange pas beaucoup. Je mange de la viande blanche, je mange beaucoup de fromage, de produits laitiers, donc c'est pas terrible non plus. Donc pour l'alimentation, j'ai des progrès à faire, c'est sûr. Concernant la mobilité, puisque là c'est la mobilité dont il est question, le vélo, moi c'est une passion personnelle, je fais du vélo depuis que j'ai 10 ans, j'utilise le vélo pour aller à mon travail par exemple. Alors j'habite pas très loin de mon lieu de travail, c'est une chance, c'est quelque chose que j'ai provoqué quand même, mais c'est une chance parce que beaucoup de gens n'ont pas le choix, il faut à la fois trouver un logement, à la fois trouver un travail, et allier les deux, c'est hyper compliqué, mais quand on peut, c'est mieux. Et même s'il y a 10-15 km entre son lieu de travail et sa résidence, essayer d'utiliser des modes de transport qu'on appelle doux. C'est-à-dire que ses jambes, 10 km ça fait long, mais un vélo, même dans un endroit qui est un petit peu vallonné, un vélo, quand on a 25, 30, 40, 50, même 50 ans, ça se fait. Il y a juste un souci les jours où il pleut. Bon, j'avoue que c'est pas terrible quand il pleut, mais sinon, essayer d'utiliser le vélo le plus possible. Le vélo, c'est quand même assez magique, hein, parce que c'est beaucoup mieux que la marche à pied. Il y a beaucoup moins de frottement, il y a beaucoup moins d'impact. On utilise l'invention la plus géniale du monde qui s'appelle la roue. Et sur le plat, vous mettez une petite impulsion sur les pédales, vous avancez sans effort. Le problème du vélo, c'est où on le gare quand on arrive à son travail. J'ai de la chance, encore une fois, moi je le rentre dans mon bureau. Voilà. Comme ça, je suis sûr qu'il est là quand je veux repartir aussi. Parce que c'est un autre problème, ça. Mais si on. Voilà, le vélo, c'est simple comme de marcher, c'est aussi simple, hein. Il suffit, ça coûte pas très cher non plus. Et c'est vrai qu'à utiliser au quotidien, ça évite de prendre sa voiture, d'être tout seul dans sa voiture qui fait 1,5 tonne et d'émettre plein de CO2 quand on va travailler, quand on revient du travail. C'est un effort, à mon avis, salutaire et simple à faire. Et en plus, c'est bon pour la santé. C'est bon pour la santé, il faut faire attention quand même, parce que si vous faites du vélo sur une route qui est très fréquentée, vous respirez plein de saloperies. Et puis quand on tombe en vélo, on se fait beaucoup plus mal qu'en voiture en général. Donc il faut faire attention, avoir un casque et prendre des itinéraires qui sont éloignés des routes très fréquentées. Merci pour cette précision. Alors j'ai une autre question. Je ne pourrais pas détailler, mais on me demande si tu as lu le compte-rendu du Shift Project sur les recommandations du gouvernement au niveau de l'énergie et du climat, et si tu penses que ces recommandations sont à la hauteur des enjeux que tu as mentionnés. Alors, le Shift Project, je connais bien parce que je lis pas mal de choses qui émanent de leur cerveau, on va dire. D'ailleurs, vous avez peut-être vu dans les diapos qui sont passés, comme je cite mes sources, parce que c'est pas bien de pas le faire, je vais en revenir à une peut-être, à quel endroit je peux trouver ça. Ici, par exemple, vous voyez marqué Jean-Marc Jancovici en bas. Alors, Jean-Marc Jancovici, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la figure, on va dire, en France, pour tout ce qui est question climat-énergie. C'est la personne qui s'intéresse à ça depuis 30 ou 40 ans. Il a fait ça, c'est sa vie entière qui tourne autour de ça, et il est notamment dans le Shift Project. Donc évidemment que le Shift Project, ils essaient de faire avancer les choses. Jean-Marc Jancovici fait partie du Haut Conseil sur le climat, donc c'est pas faute d'essayer, hein. Ils font le maximum. Malheureusement, à un moment donné,
il y a ce que la communauté scientifique va dire, et puis il y a aussi, derrière, il y a les politiques, les décideurs, les aménageurs, c'est eux qui doivent mettre en pratique ce qu'on leur dit. Alors, ils comprennent très bien ce qu'on leur raconte. Malheureusement, souvent, ce n'est pas populaire du tout. Un simple exemple, hein, la taxe carbone, ça a fait les gilets jaunes quand même. Hein. Alors, peut-être c'est mal expliqué, il n'y a pas de pédagogie. Malheureusement, quand vous dites à quelqu'un qui a construit sa vie sur les énergies fossiles, allez dire à un pilote d'avion que les avions, ben, c'est plein de CO2 et qu'il va falloir arrêter. Et là, on l'a très bien vu avec la pandémie récente, avec le blocage que ça a occasionné pour le secteur aérien. Ben, les avions, si vous leur dites qu'ils ne peuvent plus voler, c'est plein de gens qui sont au chômage, c'est tout un secteur dans le monde entier qui s'effondre. Bon, il y a des gros soucis. Donc, les politiques, c'est pas facile pour eux d'avoir le courage de prendre ces décisions qui sont hyper compliquées. Et je pense, j'aimerais pas être à leur place, ça c'est sûr. Après, il va bien falloir que quelqu'un le fasse à un moment donné. Et les politiques, s'ils se présentent aux élections, c'est pour après avoir des responsabilités, il faut bien qu'ils assument ces responsabilités. S'ils n'ont pas envie de les assumer, moi, j'ai pas envie de les assumer, je ne vais pas me présenter, par exemple. C'est pas un truc que je vais faire. Parce que je sais très bien qu'après, c'est très difficile à gérer. Mais si on se présente, ça veut dire qu'on doit assumer derrière. Et donc, ils ont beaucoup de progrès à faire à ce niveau-là. Ça, c'est sûr. Et est-ce que tu crois, du coup, que la crise du Covid qu'on va subir maintenant, l'aftershock, comme je dirais, elle va permettre un tournant un peu positif ou tu penses que ça va revenir à la normale d'avant? Alors ça, j'en sais rien. Vraiment, je suis pas. J'ai essayé d'y réfléchir parce qu'on a eu du temps pour y réfléchir quand même, mais je sais pas. Je sais pas du tout parce que il y a toujours l'effet psychologique du choc du départ. On voit que on vit un petit peu au-dessus de nos moyens en fait, hein, en termes environnementaux. Donc on se dit au début, on va évoluer, on va changer les choses, mais après on retombe souvent très très vite dans nos travers. Donc c'est une mutation en profondeur qu'il faut effectuer de nos comportements, de la société de manière générale. C'est repenser tout l'aménagement du territoire. Depuis 30 ou 40 ans ou même 50 ans en France, il y a une logique d'aménagement et de périurbanisation. Ben, la périurbanisation, ça veut dire habiter loin des centres urbains dans lesquels se trouvent souvent les métiers. Ça veut dire qu'on prend les voitures, on prend les transports pour se rendre au travail. C'est pas du tout une bonne idée. Pareil, en France, il y a le secteur agricole qui ne cesse de décroître. C'est un métier difficile. Il y a eu la mécanisation du secteur agricole. Si on veut faire baisser nos émissions de CO2, il y a beaucoup de boulots qui sont dans le tertiaire qui devraient repasser dans le primaire. Parce que s'il y a plus de paysans, ça veut dire qu'il y a moins de machines. Parce que pour l'instant, on produit nos denrées alimentaires avec des machines qui consomment de l'énergie. Si c'est des êtres humains qui sont dans les champs, et il faut beaucoup plus d'êtres humains que de machines évidemment, on fait baisser les émissions de CO2. Les pays dans le monde qui ont le moins d'émissions de CO2 sont les pays dans lesquels la population active est beaucoup, beaucoup, beaucoup orientée dans le primaire. Alors je ne dis pas que c'est le mode de vie que tout le monde veut employer, mais peut-être il faudrait réfléchir à ça, c'est-à-dire que là, c'est le secteur de l'éducation qui doit agir là-dessus, sur est-ce qu'il faut former autant de cadres dans le secteur tertiaire que ce qu'on forme aujourd'hui. Est-ce que c'est utile de former des gens pour qu'ils travaillent dans des bureaux? C'est la question quand même. Hein. C'est une question fondamentale de mode de vie, de philosophie de l'avenir de la société, mais c'est une question qu'il faut se poser maintenant, pour dans 10, 15 ou 20 ans, parce que dans 10, 15 ou 20 ans, quand le climat aura trop changé et que les denrées alimentaires ne pousseront plus toutes seules comme elles poussent aujourd'hui, enfin toutes seules, on les aide, hein, eh bien c'est pas là qu'il faudra on va dire, impulser les mutations, c'est maintenant. Mais ça, c'est des efforts beaucoup trop... Psychologiquement, on n'est pas prêt, je pense. On n'est pas prêt du tout, mais c'est ce vers quoi on doit se diriger. D'accord. Et du coup, alors là, j'ai deux questions peut-être un peu plus techniques. Pardon. J'ai deux questions un peu plus techniques, peut-être pour éclairer les auditeurs sur concrètement comment on arrive à toutes ces projections. Comment on fait en pratique pour mesurer du CO2 ou un gaz à effet de serre concrètement? Concrètement, c'est des appareils. Hein. Alors pour mesurer la température, c'est très simple. Tout le monde sait qu'il y a un thermomètre.
c'est un instrument, pour mesurer le CO2, eh bien, il y a des instruments, ça s'appelle des analyseurs de gaz. Donc, c'est un instrument qui va, il y a une pompe à air qui va absorber l'air. Et dedans, il y a tout un protocole de mesure qui permet de quantifier dans la bulle d'air qui a été aspirée la quantité de CO2. Voilà. C'est aussi simple que ça. Souvent, ce sont des appareils qui sont très chers. C'est pas le prix d'un thermomètre, hein. Mais ce sont des analyseurs de gaz. Donc, il y a des analyseurs de CO2, il y a des analyseurs d'ozone et des analyseurs de méthane qui permettent de quantifier la concentration de tel ou tel gaz dans l'atmosphère. Et du coup, comment, là, tu as montré aussi les modèles, les différents modèles. Donc, tu as dit, bah, voilà, il y a plusieurs modèles. Donc, comme ils donnent à peu près tous le même résultat, bon, bah, on a pu à peu près persuadé que ça va être un peu comme ça. Mais est-ce que tous les modèles sont vraiment fiables à 100%? Alors évidemment, ils ne sont sûrement pas fiables à 100%, mais est-ce que même si les modèles sont différents, est-ce qu'ils ne se basent pas un peu tous sur la même physique? Et du coup, est-ce que finalement, ce n'est pas normal qu'ils montrent à peu près tous la même chose? Alors ça, c'est une question de climato-sceptique, mais je veux bien la prendre. C'est fait exprès, non, mais c'est très bien. C'est très, très bien. Alors, les modèles, quand... on dit ils s'appuient tous sur la même physique. J'ai envie de dire, finalement, heureusement, parce que la physique, si on prend l'exemple caricatural de la loi de la gravité, il n'y en a qu'une seule, hein, sur Terre, la loi de la gravité. Il n'y en a pas 10, donc il vaut mieux que tous les modèles suivent les mêmes lois physiques. En général, une loi physique, si on l'appelle comme telle, c'est que c'est une théorie qui se vérifie partout, au moins sur Terre, si ce n'est dans l'univers. Et donc, personne ne pourra la violer, ne pourra faire en sorte que pour lui, elle marche différemment. Donc, ces modèles climatiques qui utilisent les théories de la physique, de la dynamique des fluides, de la chimie atmosphérique, ils ont très souvent des propriétés de fonctionnement qui sont similaires, mais c'est normal, puisque ce sont les règles dans le monde dans lequel nous vivons. Alors après, à l'échelle du monde, les modèles climatiques globaux, il y en a une quarantaine, si je ne dis pas trop de bêtises, 42 peut-être. Ils ont dans les grandes lignes les mêmes fonctionnements, mais dans le détail, ils ont des propriétés différentes quand même. Mais globalement, il faut avoir plusieurs outils climatiques, plusieurs modèles pour faire des projections. Et ensuite, on fait la moyenne de tous ces modèles pour voir ce à quoi on peut s'attendre en moyenne. Mais ce n'est pas non plus une science exacte. On parle de projection climatique, c'est un peu finalement comme les prévisions météo. On sait très bien que quand on fait des prévisions météo à 10 jours, à 15 jours, ça se réalise pas toujours. Donc il faut faire beaucoup de runs d'essais, faire tourner les modèles plusieurs fois pour voir les résultats et quantifier à la fois l'évolution et à la fois l'incertitude. C'est important de quantifier l'incertitude. Voilà. Bon, surtout quand en plus les modèles sont, j'imagine, supposer reproduire ce qui s'est passé dans le passé, voilà, c'est ça. Indépendamment de... Ces outils-là sont quand même validés pour toute la période passée, récente et puis moins récente, hein. On peut remonter très loin dans le passé, hein, pour les paléoclimats. Donc il y a plusieurs milliers d'années, il y a plusieurs centaines de milliers d'années pour voir si les modèles qu'on utilise aujourd'hui, ils sont capables déjà de resimuler les climats qu'on a déjà vécus dans le passé. Et donc, s'ils sont capables de faire ça, et c'est le cas bien souvent, ça veut dire qu'ils ont plus de pertinence, il y a ce qu'on appelle une robustesse plus importante qui permet de donner plus de confiance aux projections futures. Eh bien, super, Nicolas, merci pour tous ces éclairages, tout cet éclairage. On va devoir s'arrêter là pour garder le timing. Très bien. Donc, merci à Nicolas, merci à tout le monde. Pour avoir écouté cette conférence, Nice Fiction n'est pas encore fini. Il reste des ateliers, des tables rondes auxquelles vous pouvez participer. Et je vous souhaite une bonne fin de dimanche. Merci à tous. Merci beaucoup. Au revoir. Cette table ronde vient de se terminer, mais le festival continue tout le week-end. Le programme complet est disponible sur nice-fiction.fr. Les stands vous attendent sur notre serveur Discord. Pensez également à visiter nos expositions 3D et n'hésitez pas à intervenir dans le chat des conférences et tables rondes si vous avez des questions.